premier, bienvenue pour ce nouvel apéro du JV. J'ai failli être en retard, hein. J'étais un petit peu en retard même, mes invités à l'époque, je ne les ai même pas prévenus. Je suis arrivé en deux spi, mais vous inquiétez pas, je suis là, on est là pour se retrouver pour le Nintendo Direct, cette nouvelle conférence Nintendo qui a été annoncée hier. Alors la grande question, c'est Switch 2 ou Switch pas 2 en fait. Bonsoir à tous, vous êtes déjà très nombreux dans le chat, bonsoir Attila, bonsoir Gunia, bonsoir Reda, bonsoir Stefano, bonsoir Fabrice, Recalbox, merci, n'hésitez pas à suivre Fabrice, il fait des lives exceptionnels, bonsoir Tofor, youtubeur qui est de partout, bonsoir Axman qui est de partout aussi, modérateur, invité dans le chat incroyable. Bonsoir à tous les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel apéro du JV. Bienvenue le grand Loukoum, bienvenue Lonely Lisa et la flamme sur TikTok, parce que oui, vous le savez maintenant, tous les lives se font à la fois sur Twitch et sur TikTok. Bienvenue Dorian G07 pour la première fois sur le live, en plus exceptionnel, bienvenue à toi Dorian. On est en mode apéro du JV, vous le savez, hein, c'est notre petit rituel. Lorsqu'il y a une conférence jeux vidéo, on se réunit entre passionnés. Et donc, eh ben moi, je vous réceptionne derrière le bar pour vous faire, pour vous servir un petit cocktail à boire. Donc du coup, c'est parti, on passe derrière le bar et nous y voilà. Nous y voilà, mais ce petit bar, on va pas se mentir, il est quand même un petit peu vide. Donc le mieux, c'est de recevoir nos invités directement. Et regardez, ils sont là, ils sont beaux et ils sont pas magnifiques ces invités. Hein, on va commencer par celui qui a un petit peu moins l'habitude, parce qu'il y en a un autre, il est carrément chez lui, hein, le bar en fait, il est à lui. Donc on va commencer par un créateur de contenu que j'apprécie beaucoup par sa joie de vivre et par son enthousiasme, par ce qu'il est, c'est Topher YouTuber. Comment ça va Topher? Ça va nickel et toi? Eh ben écoute, ça va super bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est vrai que j'ai vu que t'as fait 2-3 tweets sur Nintendo Direct, je me suis dit allez, ce serait sympa de recevoir Topher. Donc merci à toi de me faire le plaisir d'être là. Petite présentation pour ceux qui te connaissent pas quand même. Allez. Alors, Topher YouTuber, YouTuber spécialisé GTA Online, en grande majorité maintenant, un peu de PlayStation, des tutos et plus encore. Et ben voilà, avec la voix des YouTubers, et plus encore, très bien. Et plus encore qui est important. Ouais, le et plus encore, c'est la marque de fabrique maintenant de tous les fans de Rockstar, hein, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas les modérateurs à partager la chaîne de Topher YouTuber, et si vous regardez cet apéro du JV en replay, bien entendu, il y aura tous les liens pour suivre nos invités dans la description de la vidéo. Et l'autre invité, c'est celui qui est chez lui, hein, modérateur de la chaîne, vous le connaissez. C'est notre Axman, comment ça va? Bah ça va, moi je fais partie des meubles. Hein. Ah bah oui, hein, toi à chaque fois maintenant, ça fait combien d'apéros que tu fais? Bah je sais pas, mais j'en ai enchaîné 5 ou 6 quand on a fait la période pendant l'été là, avec ouais. Gamescom et tout ça. C'est l'apéro, le Summer Game Fest. Summer Game Fest, voilà, j'en ai fait 4 ou 5 je crois. Je crois que tu es celui qui a fait au total le plus d'apéros du JV, donc voilà, alors, content. Je l'avais pas fait pendant un an quoi. Voilà, c'est un petit diesel, Axman. Il est long à démarrer, il fait rien, et puis une fois qu'il démarre, on l'arrête plus, et il les fait tous. Donc, mais en tout cas, toujours un plaisir. Pareil, Axman, petite présentation, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, on sait jamais. Bah, je crois qu'il n'y a plus besoin de me présenter, là. On sait jamais, dis-nous tout, parce que toi aussi, hein, tu es modérateur, tu es créateur de contenu, tu fais du stream, tu as une chaîne YouTube, oui, tu fais maintenant... Du stream de temps en temps, oui. Tu fais maintenant des petits documentaires, en plus. Oui, j'essaie de faire des documentaires sur le cinéma. Mm-hmm. C'est compliqué. De trouver la motivation et d'avoir le temps de les faire. Mais oui, ben bah là, il faut se motiver. Hein. J'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo sur Russell Crowe, mais elle est dans les vidéos à voir. Hein. Tu peux y aller. Voilà, donc, et dédicace à Axman, impeccable, merci. Les modérateurs. Les amis, on se retrouve ici, donc ne vous inquiétez pas, ça va commencer à 16h, regardez, il est là ce Nintendo Direct, on peut même directement le mettre en plein écran. Dès 16h, on se retrouvera et on va tout suivre, et bienvenue à Max qui nous rejoint sur TikTok, on va tout suivre ce Nintendo Direct pour savoir un petit peu, eh ben, qu'est-ce que Nintendo nous réserve. Ça commence à 16h. On en a pour 40 minutes, donc voilà, 40 minutes d'annonce. La grande question, les amis, d'après vous, et dites-nous dans le chat, que ce soit sur Twitch ou sur TikTok, mais surtout vous, Axman et Topher, Switch 2 ou pas Switch 2, Topher? D'un côté j'y crois, d'un côté j'y crois pas, je suis assez mitigé, tu vois, c'est comme GTA 6, un côté, d'un moment t'y crois, un moment t'y crois pas, tu vois. J'étais assis, on n'y croit plus. Donc, je sais pas. Moi, j'attends toujours un jeu.
en particulier. Metroid. Metroid Prime 4. Prime 4. J'attends. Et est-ce qu'il ne serait pas le moment, justement, alors que, regardez, hein, ça y est, le décompte a commencé, ça commence dans 9 minutes 35. Est-ce que ce ne serait pas le moment de dévoiler Metroid Prime 4 avec une première démonstration et à la fin, bam, Nintendo Switch 2, t'imagines? Ouais, voilà. Bah, c'est ce serait le jeu de lancement. Ce serait un jeu de lancement. Et moi, pour moi, je pense que ce serait un très, très fort au niveau du jeu de lancement. Ouais. Et merci, Lisa, pour les encouragements sur TikTok. Tu es au top. Merci beaucoup. Alors, dans le chat, Gunnar nous dit pas de Switch 2. Dorian nous dit pas de Switch 2. Reda, lui, pense qu'il y en a une. Donc, pour moi, on est à 2-1. 2-1. Donc, toi, t'offres, si je devais te demander Switch 2, oui ou non? Oui ou non? J'arrive pas à ça. Allez, il faut trancher, hein. C'est un oui ou c'est un non? Moi, je dis non d'un côté. Ok. Bon, je penche pour le non. Ok, donc là, on serait à 3-1. 3-1, et bienvenue à Monsieur Fulloff qui nous rejoint. Et merci directement avec première fois sur le chat et avec un petit beat. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Donc, continuez à me dire dans le chat un petit peu si vous pensez que la Switch 2 va être annoncée ou non. Toi, de ton côté, Axeman, est-ce que tu vois l'annonce ou au moins le teasing de cette Nintendo Switch 2? On rappelle quand même, parce que pour ceux qui nous rejoignent, ils doivent se dire « Mais pourquoi ils parlent autant de la Switch 2 ?» C'est parce qu'il y a de nombreuses rumeurs quand même de sources relativement fiables qui ont indiqué dès le début du mois de septembre qu'apparemment Nintendo aurait dévoilé en ce qu'on appelle en hands-on, donc c'est vraiment being closed door, donc c'est vraiment en très petit comité privé à une poignée de journalistes internationaux, ils auraient dévoilé cette Switch 2 pendant la Gamescom. Donc laissant sous-entendre, moi je vous le dis, je ne l'ai pas vu. Hein. Voilà, je vais être honnête avec vous. Ah, comme ça, malheureusement, je n'ai pas été convié à cet événement s'il a eu lieu. Mais donc du coup, et je rappelle encore une fois, c'est que c'est vraiment à une très petite poignée de journalistes. Hein. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'était pas comme... Alors, en général, à la Gamescom, on a beaucoup de jeux où il y a beaucoup de hands-on. Moi, j'en ai fait 22 quand même. Où là, il y a tous les journalistes un petit peu qui sont invités. Mais il y a des projets, on va dire, très spéciaux qui, eux, où c'est juste des personnes triées sur le volet. Donc voilà, donc c'est cette rumeur qui laisse sous-entendre qu'apparemment la Switch 2 pourrait se dévoiler. Donc merci aux modérateurs qui ont fait le... C'est toi, Axeman, qui a fait le sondage ? Parfait. Ah là, Axeman, il est trop, trop efficace. Donc il y a un sondage, vous pouvez voter dès maintenant pour nous dire si, selon vous, oui ou non, il y aura la Switch 2 d'annoncer ou au moins de teaser ce soir. Toi, Axeman, qu'est-ce que tu en penses? Mais une annonce, peut-être pas, ou une présentation, peut-être pas, mais peut-être un teasing en nous disant à chaque fois les nouveaux jeux va être sur la nouvelle Switch ou quelque chose comme ça. Mmh. Alors, pareil, moi, présentation, c'est mort. Présentation, c'est mort. Moi, à mon avis... Ça me paraît compliqué. Moi, à mon avis, l'annonce qui peut potentiellement y avoir, et encore on dit vraiment potentiellement, c'est un teasing... Ou justement, en fin de Nintendo Direct, ils t'annoncent vraiment un gros jeu. MK9, Mario Kart 9 ou Metroid Prime 4. Et qu'à la fin, juste voilà, ils nous disent disponible. Ça sera sur la prochaine génération Switch. Quoi. Au lancement, peut-être même, tu vois, sans le nom, mais juste nouvelle génération, effectivement. Ouais, voilà. Et pourquoi pas, tu sais, juste une silhouette ou un truc comme ça qui nous dit du contraire en mode ça arrive, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois. Petit teasing, ouais. Voilà, un petit teasing, mais, ouais. Mais voilà. J'étais assis sur Switch, voilà, les gars, va pas. Alors après, les amis... Des présentations comme ça en behind closed door, à mon avis, la console, elle n'est pas finie. Généralement, non. Quand elle est présentée vraiment... Alors après, tout dépend. Hein. Si vraiment, comment ça s'appelle, la console, elle est prévue, je te dis une bêtise, pour début d'année 2024 et que là, ils sont vraiment prêts, on peut être sur une version quasi définitive. Mais après, on rappelle que la Nintendo Switch premier du nom a été officiellement annoncé en octobre 2016, avec une présentation le jour du trailer de Red Dead Redemption 2, qui était aussi le jour de mon anniversaire, le 20 octobre. Il y a eu une... donc ça a été une première annonce de la Switch. Il y a eu une présentation en janvier 2017 et une sortie en mars 2017. Donc en l'espace de 6 mois, c'était torché. Donc... Un anniversaire aujourd'hui. Il y a quoi? Un anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est l'anniversaire de quoi? Ou de qui? La GameCube, elle est sortie au Japon il y a 22 ans. Ah, bah voilà, ils vont nous annoncer le portage des jeux GameCube sur Switch, c'est sûr, voilà. Peut-être, ouais. C'est voilà, mais en tout cas, je vois bien Mario Kart 9 pour la prochaine... Alors ça, c'est sûr et certain que Mario Kart 9, il ne sortira pas sur la Switch actuelle. Ça, c'est sûr et certain. 22 ans au Japon. Hein. 22 ans au Japon, aïe aïe aïe. 8 ans après ma naissance, moi je me dirige
tout droit vers les 30 ans, les amis, ça commence à devenir très compliqué. On est à 5 minutes du lancement. On rappelle donc toujours sur la Switch 2, pareil, selon également les rumeurs, pendant cette présentation à la Gamescom, qui a potentiellement eu lieu, hein, rien d'officiel, ça reste des rumeurs, il y aurait eu... La GameCube est plus vieille que moi. Ah, mais Lisa, c'est... Ah, mais c'est pour ça que tu fais que dormir, Lisa. En fait, c'est un bébé, Lisa. Elle est même pas majeure, autant bien. La Switch 2 serait apparemment aussi puissante que les PS5 et Series X, puisque lors de cette potentielle présentation à la Gamescom, ce qui a été présenté, ce serait une démonstration de la démo Matrix sur Unreal Engine 5 et une nouvelle version de Zelda Tears of the Kingdom. Donc là aussi, en 4K 60 FPS. Qu'est-ce que ça t'inspire, Topher ? Est-ce que tu y crois ? J'ai du mal à y croire pleinement. Hein. Switch, enfin Nintendo a toujours été un petit peu en dessous technologiquement comparé à PlayStation ou encore Xbox, donc forcément t'as du mal à y croire un petit peu. Tu te dis peut-être la résolution, peut-être l'FPS, mais peut-être que la distance d'affichage est peut-être plus basse. Mmh. C'est ce que je me dis, tu vois, pour compenser un petit peu. Pour... Ouais. J'y crois, mais pas trop. À moins que la console est beaucoup plus grosse. Après, comme on l'a vu, l'iPhone 15, il fait tourner Assassin maintenant, donc oui. Tu te dis pourquoi pas. C'est vrai que voilà, Apple avec iPhone vient d'annoncer, donc il y a... le Light TikTok est relancé. C'est juste parce qu'il a fallu que je change un paramètre. Et en fait, tu ne peux pas changer de paramètre sans te déconnecter, te reconnecter. C'est pas encore optimisé. Mais c'est relancé. C'est relancé, les amis. Actualisé, c'est relancé. Mais effectivement, Apple a frappé fort quand même en annonçant l'arrivée de Assassin's Creed, de Resident Evil 4. Enfin, Assassin's Creed Mirage, hein, qui va sortir. Bon, le Assassin's Creed Mirage sort dans 2 semaines. La version iPhone sortira en 2024. Mais Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, Resident Evil Village, ça va arriver nativement. C'est-à-dire qu'on pourra jouer sans le cloud ni rien. Donc c'est vrai que tu te dis maintenant, ça commence à faire mal. Hein. Donc il va falloir un peu s'aligner. Toi, Axeman, tu y crois à cette puissance ou pas ? J'y crois pas des masses non plus. Ouais. C'est sûr qu'ils vont devoir répondre avec ce que fait Apple par rapport à l'iPhone. Ça commence à devenir de plus en plus portable les jeux. Donc il va falloir qu'ils répondent, mais répondent comment ? C'est ça. Les capacités de répondre. On se rappelle que quand même la PS Vita et notamment bah, les consoles portables de PlayStation et les DS ont été enterrées par les mobiles, hein, parce que maintenant les mobiles étaient plus puissantes, etc. Donc si la Switch ne veut pas se faire enterrer, bah maintenant outre le fait que maintenant effectivement il y a la PS5, enfin il y a Sony PlayStation en concurrent, il y a aussi les mobiles, parce que bah maintenant si tu peux acheter ton mobile 1500 balles juste pour téléphoner et en plus de ça, jouer à des jeux vidéo ou bah, acheter ton mobile plus une Switch, mais que tu as les mêmes jeux sur mobile, peut-être que les gens ils vont se dire, bon bah finalement, on va autant économiser 300 balles et investir dans un mobile. Bien que ce ne sera pas le même confort. Attention aussi au niveau de la batterie. L'ergonomie, parce que même si maintenant il y a des manettes connectées, etc. Bon, voilà, un mobile, ça reste quand même plus petit qu'un écran d'une Switch. Mais pour certains, et merci beaucoup Lisa pour l'éclair envoyé sur TikTok, eh ben, on ne sait pas trop vraiment où donner de la tête. Mais en tout cas, les amis, Switch ou Switch 2, enfin Switch 2 ou pas Switch 2, la Switch réponse... 3, on casse la 2. Voilà, exactement, comme Bryce. On va le savoir dans quelques secondes maintenant, dans 50 secondes. Bien entendu, nous allons continuer à suivre ça à la fois sur TikTok, à la fois sur Twitch. C'est bon, sur TikTok, tout est revenu, etc. C'est bon, je vois Max dans le chat, c'est bon. Je vois Lisa dans le chat, c'est bon, on est bon. Tout est revenu, les amis. Et donc, maintenant, je suis en avance, mais je suis toujours en avance, moi, mon X-Man. Tu sais très bien. J'ai toujours un temps d'avance. Il faut. C'est pas un truc dont il faut se vanter, mais bon. Ça dépend dans quoi. Là, ça m'arrange dans les streamings d'avoir un petit peu d'avance. Ça m'évite de me faire spoiler. Mais du coup, voilà, les amis, on attaque dans 18 secondes maintenant. Installez-vous confortablement. Prenez quelque chose à boire tranquillement pour vous hydrater comme il se doit en ces fortes chaleurs. Et c'est parti, bon Nintendo Direct à tous. 5. Stream directement sur Twitch, Nintendo Direct. Là, je suis sur YouTube, là. 2. Ah, parce que sur YouTube, ben, moi, j'ai 15 secondes. Peggy 18. Ça commence par du Peggy 18, les amis. Donc, c'est bon, j'étais à 10 confirmé.
attaque directement avec du Splatoon. Bon, du coup, dites-nous dans le chat un petit peu si Splatoon, si Splatoon c'est votre genre de jeu ou pas. La critique est disponible sur la chaîne. Axman, Topher, Splatoon, ça vous dit quoi? Ça me dit rien. J'ai déjà joué avant, mais bon, c'est pas mon délire. J'ai jamais joué à Splatoon. C'est pas ton meilleur. Et il y a Colossus dans le chat. Yo la forme, Team Topher en force. Let's go, merci à toi d'être là et bonne bienvenue à la Team Topher du coup. Hein. J'aurais pas cru. Voilà, tu vois, ta communauté qui te suit partout, c'est incroyable. Ouais. De fou. Du coup, bon, est-ce qu'ils sont en train de nous teaser? Voilà, c'est un nouveau DLC de Splatoon. Moi, c'est vrai que j'ai fait le Splatoon 3 à sa sortie. Et bienvenue Skytoo, bienvenue. J'ai fait le Splatoon 3 à sa sortie, j'ai juste fait le mode solo et je suis plus revenu dessus. Donc ça sent quand même le DLC. J'ai fait aucun Splatoon. Ouais, passe d'extension pour Splatoon 3. Bon. Petite mise en jambe tranquillement. Et salut Vince, bienvenue à toi. Et ben voilà. Konnichiwa. Bonjour tout le monde. Shina Takahashi qu'on commence à connaître maintenant. Hein. C'est la vague 2 du pass d'extension de Splatoon 3. Et salut Nico, bienvenue. Alors printemps 2000, oula, printemps 2024, c'est pas tout de suite hein. Avec un pack comprenant le pass 1 et 2. Ouais, l'année prochaine quoi. Ouais. Allez, une nouvelle série de jeux annoncés sur Switch. Les jouets se remettent en marche. Ah, des nouveaux Lego. Donkey Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. Oh, nice. With his eyes on the prize. Ah, ça c'est cool ça. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. Putain, on va encore avoir 200 jeux d'annoncer. In each stage, contraptions and other challenges await. Allez, on va commencer à prendre les notes hein. Date, sortie, jeu. Action are vital to your success. Mario needs to reach the key. But he can't quite cross the gap. Donc en rapport à Mario vs Donkey Kong, c'est un jeu sorti sur Game Boy Advance. Là, c'est le remake. Graphiquement, assez très joli. C'est très joli. Très beau. Hein. Mais c'est bien qu'il fasse des jeux comme ça. Ouais. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. De toute façon, là, on sait que le trois quarts des jeux, c'est des jeux de 2024. Hein. Parce que déjà, la fin d'année, il y a Detective Pikachu qui arrive dans 2 semaines, il y a le nouveau Mario Wonder qui arrive dans 1 mois, et t'as Mario RPG qui arrive dans 2 mois. Mais ils avaient dit que c'était des jeux qui sortaient cet hiver aussi. Ah ouais, cet hiver ouais. Bah, ouais. Bah après, l'hiver, ça commence le 21 décembre. Ouais. Oui. Voilà, 16 février 2024. Là, à mon avis, je vous l'ai dit, à mon avis, ça va être un gros focus sur le début d'année 2024. Ah, Prince of Persia, je vous ai présenté la preview lors de la Gamescom. J'y ai joué sur Switch, justement. Et j'ai beaucoup apprécié ce Prince of Persia qui revient aux sources. Clairement, hein, on revient sur un jeu en 2D, à défilement horizontal justement, et j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu jouer 20 minutes en Gamescom, c'est 2 heures à la Gamescom, ça fait beaucoup. 20 minutes, et honnêtement, j'ai trouvé ça très cool. Donc le jeu sort en janvier 2024,
et la preview est disponible sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. C'est typiquement le genre de jeu qui peut se jouer sur la Switch. Hein. Oui. C'est là qu'on y voit aussi les limites. Hein. C'est-à-dire que graphiquement il est joli, mais c'est très aliasé. Et je trouve ça dommage parce que la direction artistique est très belle. Et je suis curieux de voir la version PS5 et Series X, voir un petit peu ce que ça donne. Ça me fait penser à Hercule. Oui, c'est vrai. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for Oula. True arcade racing in Horizon Chase 2. Horizon Chase 2. Oh, ça je suis content. Each with its own dynamic art style while overtaking your rivals on the road. Arcade, tu vois, ça fait penser à l'ancien temps, tu vois. Ça fait vraiment penser à Ridge Racer, Outrun, etc. Qui est sorti sur Apple Arcade il y a un moment et on attend toujours une version Switch ou Play, bah voilà. On finit l'exclusivité du coup d'Apple Arcade. Ça, par contre, ça peut arriver dans les prochains jours, tu vois. Ça. Disponible maintenant. Bah voilà, tu vois, ça c'était sûr. Ah là, une bêtise. Hein. Non, non, si, disponible après la présentation. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Bon, ça c'est un jeu de rythme, je suis clairement pas la cible, je vais vous le dire. Voilà, même si on a les jeux, les musiques des jeux Konami, voilà. Après c'est mignon hein, pour ceux qui aiment. Mais l'école de guitare. Là c'est la vague de petits jeux. Oui, là c'est la petite vague, voilà. On a attaqué fort avec Splatoon et Mario. Maintenant on va redescendre un petit peu avant de remonter. Then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places. Ça c'est vraiment le typique jeu japonais. C'est très chill. How will you spend your time with friends and family? De quoi? Ça fait penser que j'ai toujours pas vu l'anime justement ce jeu. Ah moi non plus. Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Quel retard. Ah l'année prochaine. L'année prochaine. Mario's first ah, Mario RPG. Returns. Là aussi. Hein. On rappelle que Mario RPG n'est jamais sorti en Europe. C'est la première fois qu'il va sortir en Europe. Coup dur pour Mario. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the three-character triple move. Depending on your current party. Il est pas sorti en Europe parce qu'en fait c'était un développement entre Nintendo et Square Enix qui s'appelait Squaresoft à l'époque. Et en fait, il y a eu un gros désaccord créatif entre Squaresoft et Nintendo, ce qui fait que le jeu a eu son développement un petit peu avorté. Et donc, au final, on n'a ni eu le jeu que Nintendo voulait, ni le jeu que Squaresoft voulait. On a eu un entre-deux qui a été développé uniquement pour le Japon. Et je crois pour les États-Unis, j'en suis pas sûr. Mais ils n'ont pas fait tout le portage qu'il aurait dû y avoir. Et donc, du coup, voilà. Et donc, bah, maintenant, des années plus tard, quasiment bah, 30 ans plus tard, on va l'avoir pour la première fois avec ce remake. Look alive. We're almost there. Alors forcément si vous regardez sans son ça peut être bizarre mais c'est dans l'image. Oui, oui 30 ans plus tard parce qu'il était sorti sur Nintendo 64 et je crois que c'était en 1996 donc pas 30 ans plus tard mais 25 ans, 25, 26, 27 ans plus tard quoi. Et bienvenue Suleiman, bienvenue à toi. Je sais que vous avez testé la Switch 2, juste un clin d'œil. Non, non, moi je n'ai pas testé la Switch 2.
Moi j'étais même pas à la Gamescom donc. Alors en fait c'est ce que tu dis, en fait t'es venu justement invité par Nintendo en fait. Ouais, voilà. T'as fait genre ouais non mais je suis pas là et non non Slow Yeman, il n'y a pas de NDA non plus, je te promets que je n'ai pas joué, je n'ai pas découvert la Switch 2. Lost Memories, the sequel to the original game is also included. So this is like Juliet, huh? Oui, donc ça, effectivement, Max, il nous dit c'est pas trop ces genres de jeux. Effectivement, c'est pas trop mon genre de jeu non plus, quoi. Mais pour les joueurs Nintendo et notamment les joueurs japonais. Et salut William, salut The Rice King, salut José. C'est long. Ah, oh, mais José, un peu de patience quand même. Quand même. José veut la Switch 3. La Switch 3 Pro. On est quand même à 11 minutes. On est déjà à 11 minutes. Et on rappelle que ça va durer 40 minutes. Encore du Mario ? Oh non. Ah mais ça, ça va être le jeu avec Todd. Presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Ah mais non, mais c'est pas le nouveau jeu Peach qui avait été annoncé justement Ah ouais, si si. Oui, ils avaient juste fait, vite fait une présentation. Ouais. J'ai envie de hurler, vibrer, ça me manque. Oula José, oula, on parle bien de jeux vidéo là. On parle bien de jeux vidéo. Est-ce que ça va vraiment s'appeler... Ouais, je crois pas. Je crois pas. Ça va vraiment s'appeler Switch 2 ou un autre nom. On ne sait pas. On ne sait pas... Switch Advanced. La Switch Advance, la Switch SP, la Switch U. La Switch Fun, on sait pas. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. La Switch Ultra. Ultra, ouais. Pas bête. Balancez tous vos suggestions de noms, on les enverra à Nintendo et on verra s'ils ont pas encore choisi. La Switch Vita, la Switch... La Switch SP. La Switch Portal. Portal. T'imagines. Putain, la Switch Pro Max. La Switch Plus Pro Max. Ça va être un concentré de tous les noms, mon gars. La Switch 2 Pro, Portal, Ultra, Max, Moulinex. Et ils vont juste l'appeler Switch. Oui. Pas la Switch U. La Switch X Elon Musk. Ah, c'est ça. Là, ils vont vraiment juste l'appeler la Switch et personne va comprendre que c'est une suite. Ouais. Comme la Wii U. J'avoue que les jeux de l'univers Mario, ça y va. Hein. Avec le film. Bah, avec le film et puis... C'est du film, les jeux qui arrivent. On va en bouffer du Mario, quoi. Comme on a bouffé du Pokémon pendant un moment. Ouais. Et Switch, elle va tout faire. Elle va enquêter, elle va faire des combats, elle va tout faire. Elle va faire des combats, de la cuisine. Elle va faire du Kung Fu. Ah ouais, non mais c'est... Elle va vivre sa meilleure vie, hein. Princess Peach, showtime. Makes its debut 22 mars. Switch, March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Mais du coup, est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est... Jeu. C'est encore un nouveau jeu, donc il y a deux jeux Peach qui arrivent. Est-ce que l'autre il portait le même nom ? Bah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. A multi-layered RPG full of rich stories. Encore du RPG, ça y va. Les RPG, ça y va. There are six heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Édité par Pasquier. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. Ouais, c'est ça. How the story unfolds is in your hands. Avec les petits magnètes à mettre sur le frigo. Oui. Unlock different paths more than ever before seen in the saga franchise. La carte Teddy Riner.
Une sorcière déguisée en écolière, on est bien chez les Japonais. Ah, c'est du tour par tour. Encore des jeux tour par tour. Ouais. Ah, c'est pas du tout mon délire ça. Non, moi non plus. Ouais. C'est un jeu où ça passe, si on a ça passe pas. Pff, ça dépend. Oh! Tomb Raider Anniversary? Quoi? Sur Switch. Quoi? C'est écrit s'il est en émission. Incroyable! Ah ouais, bien. Ah non, mais alors ça, ça va être mes day one! Backflip. And swan dive through perilous. Oh, avec la musique du T-Rex. Oh là 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 là. Oh putain, mais c'est trop bon en plus. Pour un remaster. Oh, oui. Ah ouais. Incroyable. Oh là, j'ai des frissons. Je suis en train de penser à Mathieu. Oh. Mathieu Break Culture qui doit être... C'est ça qui est beau. Il a crié. Oh, 14 février! Oh, la Saint-Valentin 2024, les amis! Ah ouais, en plus? Ah ouais! Ah non, mais ça, c'est Day One! Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas le 4. C'est dommage qu'il n'y a pas le 4, le... Mais ça, c'est Day One! Et après, ils vont peut-être faire 4, 5, 6. Peut-être, oui. Les ténèbres aussi. Ah, du Pokémon? This is Rhyme City, a place where humans and Pokémon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Tim's missing father. Ça m'a refait. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokémon to broaden the scope of their investigation. Ouais, mais un remaster comme ça sur Switch, ça tournera très bien et ce sera parfait. Moi, ce sera Switch direct. Avec l'écran OLED, ça va être... Ah ça les gars, je vous le dis, on va se le faire en stream direct. Hein. Surtout que j'avais envie de le faire tous les Tomb Raider, mais là ça va être l'occasion idéale. Bah là on n'a pas de moyen de les faire en fait, à part de passer par un émulateur. C'est ça. Parce qu'ils sont pas sur le store PS4 je pense. Non. Detective Pikachu, ça avait été annoncé, ça arrive le 6 octobre. This game's a real toot. En avant toute. Quel jeu de mots incroyable. Quel jeu de mots incroyable. Waouh. Waouh. Ça fait penser au jeu de musique sur Jazz. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk. Ah, je suis en train d'envoyer directement le trailer à Mathieu. En plus, le pauvre, il est pas malheureusement, il est pas devant le Nintendo Direct puisqu'il est en vacances. Plus, up to four musicians can band together. Ah bon, alors ça c'est vraiment le genre de jeu où c'est non. Disponible peu après cette présentation. Et ben ce soir on fera un live sur Trompette Champ. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. Lutter pour la victoire. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale. OK, alors ça c'est League of Legends version Ah ouais. Même pas cap avant le state of play. Non, malheureusement, j'aurai pas le temps. Même le state of play les amis, ça va être très tendu mais je vous promets rien mais j'aurai pas le temps. Choose from 15 heroes each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Lead your stream pendant ton dîner, les gars. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre le téléphone et on va streamer en même temps. Take up various contracts from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day.
Ça aussi, c'est vraiment pas du tout mon genre de jeu. Ça vraiment. Age of Empires, ça m'intéresse. In this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pickup and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a four-player co-op mode. Contra, Operation Galuga, storms onto Nintendo Switch early next year. En vrai, je suis hyper hype pour le Tomb Raider là. Your kingdom. Reclaim your destiny. Là, c'est un peu la seule annonce qu'on a vue pour l'instant. Bah, la seule grosse annonce quoi. Bon, il y a quand même eu Mario Donkey Kong et le jeu Peach. Bon, après, le jeu Peach est un peu moins hypé quand même. Après, c'est vrai qu'on a revu Detective Pikachu, Mario RPG, mais ça avait déjà été annoncé. Après, bon, pour ceux qui kiffent les jeux Jap et les RPG, alors là, c'est la régalade. Hein. Moi, après, j'avoue que. Moi, c'est vrai que c'est un peu moins mon. Voilà. Je suis plus dans le genre Thalès que ça. Ouais. Je pense que Peach, c'est un seul jeu en fait. Hein. Tu penses j'ai pas. Faudra que je regarde parce que j'ai pas trop. Je me rappelle plus le nom du. Le nom du. Celui en juin, y'avait pas de nom. Y'avait pas de nom. Ah, ça doit être le nom officiel et les gens disaient juste Super Princess Peach, mais c'était pas le nom officiel. Ouais, donc ça doit être le même alors. Ça doit être la même chose, mais ils ont annoncé le nom quoi. Rien que pour Tomb Raider, c'est un très bon Nintendo Direct. Mais j'avoue que là, ça m'a. Franchement. Là où en fait je suis surpris, c'est que le remaster est vraiment beau. Il est vraiment beau en fait. Est-ce que Mathieu Colin a cliqué? Non, parce que là, je l'ai envoyé. Hein. Je l'ai envoyé, j'attends la réponse. Ah, mais il a pour Aventura aussi. Eh oui. Oula. Ça va sortir pour Halloween. Je sais pas ce que c'est, mais ça sort pour Halloween. Eh, hey, c'est bien ce qui me semble, un Luigi Mansion. C'est un nouveau Luigi Mansion? Non. Non. Un remake peut-être? Un remaster du premier. Peut-être. Voilà, du deuxième. Deux, ouais. Il n'y avait pas une histoire avec ça aussi, que le 1 n'est jamais sorti sur... Est sorti que sur DS? Si, ça c'est possible. Bah le... Comme ça, avec Luigi's Mansion. Le 2 aussi, non? Time for some mansion mayhem. Par contre, ce serait un peu bête de faire Luigi's Mansion 2 et pas le 1. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Luigi's Mansion 2. Objects and interact with the environment. Et oui, que sur Nintendo 3DS. Donc c'est la première fois qu'il sort sur console. Et salut Pitstop VZ, bienvenue à toi, première fois sur la chaîne, bienvenue. Ça, je vous le dis, Luigi Mansion, ça va sortir pour Halloween. Et moi, ça me hype. Et salut Théo, bienvenue. Bienvenue à toi. J'ai jamais eu l'occasion de jouer, mais ça a l'air sympa. C'est très sympa. J'ai jamais eu l'occasion de le finir. Je l'avais testé à l'E3 2019, le Luigi's Mansion 3. Et très sympa. Très très sympa. Après, j'avais pas eu le temps de le faire. Ce sera peut-être l'occasion là de m'enchaîner le 2 et le 3. Ouais. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Luigi's Mansion 2 HD, ça va être pour quand? Bon, déjà, moi j'ai retenu 3 jeux. Hein. Enfin, 4 avec celui-là. Et le Tomb Raider. Luigi's Mansion 2 HD. Oh, été 2024! Oh, waouh! Oh, waouh! Ah, bah ouais! Tu l'auras pas pour Halloween? Ah, je m'attendais pas. Remaster, ça fait loin. Hein. Deux annonces à faire, mais d'abord une vidéo. Ok, donc une vidéo pour nous... Attention. Nous présenter la Switch. Allez, Mario. C'est Mario. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter avec Mario encore?
Ok, donc ça c'est la boîte Mario. Oh, trop cool. Un musée Nintendo à Kyoto, ok. Oh, excellent. Bon, il va falloir se prévoir un voyage au Japon. Énorme. Ça sera Nintendo, franchement, il rigole pas entre le parc universal et maintenant ça. Ouais, il commence à... Ah, des nouveaux amiibo Zelda. Ouais, c'est très sympa le musée. Franchement, je suis encore jamais allé au Japon, mais première dès que je vais au Japon, il y a trop de choses à faire. Entre le Universal Nintendo, bon, même s'il est à Los Angeles aussi, mais au Japon quand même. Le musée Nintendo. Oh, encore des combattants. Ah non, mais en amiibo. Parce que j'allais dire, putain. J'allais dire, mais attends, le jeu est sorti il y a 15 ans. 50e DLC. Passons à la suite. Ils aiment bien claquer des doigts. Et oui, c'est F-Zero ça, mais il y en a qui vont être comme des ouf là. Par contre, si c'est ça le F-Zero, enfin, ils auraient pu faire mieux quand même. Ah. Bon, ils auraient pu faire un truc un peu plus quali quand même. Je veux bien qu'on garde le côté rétro, mais ça sent quand même l'émulation là quand même. Après, c'est vrai que j'ai pas connu F-Zero, donc j'ai pas la nostalgie qui parle, donc peut-être que les fans, c'est ce qu'ils s'attendaient, mais c'est un peu là, par exemple, si on avait fini un Tomb Raider avec juste un lifting HD, quoi. Ils auraient pu retoucher les... On dirait pas un jeu online, genre avec 100 personnes. Si, si, ouais. Ouais. Bah, il y a 99 vaisseaux quand même, hein. C'est vrai. Un jeu flash. Ok, il a cheaté quoi. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Après, je sais que F-Zero était tellement attendu, peut-être que pour les fans de la première heure, c'est ce qu'ils attendaient. Moi, sur ça, je peux pas me... Moi, en tant que non-joueur... Oui, il y a plein de gens qui attendent ça. Voilà, ça me hype pas plus que ça, et ça me donne pas forcément envie de découvrir. Mais après, peut-être que les fans, eux, c'est exactement ce qu'ils attendaient. Parce que F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch. Il se prend pour Joséphine Ange Gardien. On a des très bonnes références de côté de Lisa, hein. Là, franchement, je m'en excuse sur le chat... C'est indépendant de ma volonté. Hein. 30 ans, il est sorti en 93 comme moi. Nintendo Switch Online ni kanyu shiteiru to kounyu dekiru. Kono Super Famicom no controller ni mo. Les manettes Super NES. Zehi 1位 o mezashite chousen shite mite kudasai. Sore dewa headline o goran kudasai. Ah, tu peux pas claquer les doigts là. Hein. Il a claqué la manette par terre. Welcome to Vandal City. Alors ça aussi c'est typiquement pas le... Je peux comprendre que les gens aiment, c'est le petit jeu tout mignon, mais c'est vraiment pas mon... C'est vraiment pas mon truc, hein. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches. Chris, tu deviens vieux, mon pote. Alors William, attention, tu peux te faire bannir pour ce genre d'insulte. Tu peux te faire bannir, William. J'ai le doigt sur le bouton. Axman, il sait, hein. What mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch. Ah, mais c'est un League of Legends. Bon, ça va intéresser apparemment. Ça va intéresser beaucoup de monde. Nunu on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land.
where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Déjà comme ça, il y en a beaucoup aussi. Song of Mewtwo, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop. D'abord, sur, c'est une exclusivité temporaire Nintendo Switch. Ah, WarioWare. Ah oui, il y a WarioWare qui arrive aussi en novembre. Alors, WarioWare, pour ceux qui connaissent pas, c'est un party game mais complètement déjanté. Voilà. Voilà. Ah oui, on l'avait vu dernier. You'll get into a specific pose called a form. Si vous avez envie de pondre un œuf, alors je vous le dis, on ne fera pas ça en live. The micro games will come one after another, so look alive. WarioWare, il arrive en novembre, je crois début novembre, le 3 ou 4 novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. On a hâte de pas y jouer. Ah si, faudra faire ça en live. C'est mort, mais Mika, je t'empêche pas toi de le faire en live. Hein. Lance-toi en live, hein, mais... Voilà, on viendra te regarder, on viendra juger comment tu fais la poule et comment tu ponds des œufs. Mais non. Voilà, le 3 novembre. J'avais fait le WarioWare Get It Together, qui était très drôle. Et que j'avais fait un test. Je sais pas si j'avais testé sur la chaîne. J'avais testé sur Précitron, mais je sais pas si j'avais fait un test. Mais moi je ponds, mais pas des. Ah, Picsou, toi tu ponds de l'argent, toi. Il y a encore du JRPG. Ouais. On arrive à la fin, les amis. Hein. 32 minutes. Il nous reste 8 minutes. Pour moi, il n'y a pas de Switch ou 2. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. Il m'a pas du tout le Nintendo Direct. C'est vrai que pour ceux qui sont pas trop JRPG, c'est dur. C'est un peu dur. Hein. Moi honnêtement, à part Tomb Raider où vraiment c'est la grosse surprise et la grosse hype, après je retiens quand même Mario vs Donkey Kong, je retiens Luigi's Mansion 2 HD même si c'est un remaster, mais c'est vrai qu'il n'y a que des remasters en fait. Mario Donkey Kong c'est un remaster, enfin un remake, Tomb Raider c'est un remaster, Luigi's Mansion c'est un remaster. Après, il en faut pour tout le monde, hein, mais... Oui. Ouais. Ah, du coup, ça va pas être pour moi non plus du pixel, ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus de nouveaux jeux, c'est trop nul. Bah après, José, la Switch arrive en fin de vie. Forcément qu'ils vont pas t'annoncer des giga cartouches maintenant, parce qu'on sait que d'ici un an et demi, deux ans, il y aura la nouvelle console. Donc là, ils sont en train de garder... Là, on va avoir beaucoup de remasters, beaucoup de portages pour nous faire patienter avant d'envoyer du lourd pour la nouvelle génération, et c'est normal. Et c'est comme ça sur toutes les consoles. La fin de génération de Xbox One, la fin de génération de PS4, c'était pas non plus la folie. Bon, la PS4 un petit peu plus, il y a quand même The Last of Us, Ghost of Tsushima, Death Stranding. Mais en général, une fin de génération, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Il y a beaucoup de nouveaux jeux, c'est full au remake. Bah oui, mais parce que les remakes et les portages, c'est plus simple à faire. Et pendant qu'il y a un remake et portage pour occuper la fin de vie de la console, les développeurs travaillent sur les nouveaux jeux pour la nouvelle console. Et ça se vend bien. Et ça se vend bien. Et après, si c'est de qualité. Moi, c'est sûr que s'ils me font un portage comme la compilation Mario avec 3 jeux émulés, là, ils peuvent aller se faire foutre. Par contre, s'ils me font des trucs quali, comme les remakes de Mario vs Donkey Kong, comme le remake de Mario RPG, ou comme le remaster de Tomb Raider, ah mais là, c'est prenez mon argent. Prenez mon argent. Cali comme la GTA trilogie. Axman, tu peux t'auto-ban aussi, fais gaffe. Tu peux. Par contre, parlant de remaster Tomb Raider, j'espère qu'ils vont le sortir en physique. Hein. Attention les gars. Attention les gars. Then serve them as sushi by night and the aquatic adventure Dave the Diver. Ah, c'est vraiment, tu gères ton restaurant de sushi jusqu'à aller pêcher le poisson. Bah, en vrai, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Hein. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, la dernière vague. DayZ Circuit. Logiquement, dernière vague, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, c'est fini pour Mario Kart 8 et que la prochaine annonce autour de Mario Kart, ce sera le 9. Même si à mon avis, il n'y aura pas tout de suite. Hein. Je sens même pas qu'il sera au lancement de la Switch 2. And also, Peachette. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Ça va se vendre, mais par palette. Par palette. Qu'est-ce qui se passe avec Among Us? Nouveau mode de jeu, nouvelle map? Ah, là ça hype. Ça sera la nouvelle map. Ah, quoique non, c'est le vaisseau. Nouveau mode de jeu, c'est un nouveau mode de jeu. No Man's Sky. The Last of Us? Ouais, un peu, The Last of Among Us. Ça serait drôle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vrai qu'un mode histoire, peut-être un survival, tu vois. Among Us. Nouvelle carte. Ah, là, ça hype. Avec des nouveaux mini-jeux. The Fungal. Ah, ça. New map for Among Us is free. En octobre. 28. Halloween, quoi. Il reste 2 minutes, hein. Est-ce qu'il va y avoir une innocence? Ah. J'ai pas lu, c'est marqué quoi? Il va revenir sur quelques titres déjà annoncés, ouais, qui vont sortir ce mois-ci. Ok, bon ça c'est ok. Donc il fait un résumé. En mode je fais un résumé alors que... Mais pourquoi? Oui voilà. Ça ce qui va arriver dans les prochaines semaines, voilà ce qui arrive plus tard. Et ça sera. Faites-nous rêver. Et après t'auras une annonce en mode il y a quelque chose qui arrive mais dans plus longtemps. Ça sera dans le Game Pass. Dans le Game Pass. これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。Dernière annonce. Allez, dernière annonce les amis. Qu'est-ce que ça va être? Bon d'accord, ok, c'est pas... C'est encore du Mario. Ils nous ont trollé. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un New Mario Paper. C'est un nouveau New Mario Paper. Le troll. C'est un nouveau New Mario Paper. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Le troll. Bon, après, attention, New Paper Mario, c'est très cool, hein. Mais. Je pense qu'ils ont voulu troller, en fait. Oula. J'espère. On sait pas, peut-être qu'à la fin ils vont nous dire New Paper Mario
C'est le 3 en plus, je crois. New Paper Mario, exclusivité, Switch 3. 2. Oh putain, il y a tellement de références à l'univers Nintendo aussi. Ça va sortir en automne 2024. Aussi vieux ? Si tard, tu penses, José ? Automne 2024, ça fait dans un an, ça fait tard. Non, moi je pense que ça va sortir au printemps. Mars ou avril. Voire même février, hein. Février en général, y a pas de Mario pour février. Paper Mario, la porte millénaire et la date de sortie. Ah, attention. Et là voilà, elle va annoncer la Switch 2 sur l'écran. Le mec il veut pas lâcher, tu sais. Elle va sortir la Switch 2 de sa poche. Et elle est amoureuse de la Switch 2 en fait. La Switch 2 va venir la sauver dans son château. 2024, pas plus de... Pas plus de... Ok. Bon. Ben voilà, c'est un jeu GameCube, je vous l'avais dit qu'il y aura un jeu GameCube. C'est même pas une suite, c'est un remaster, putain, enfin un remake. C'est un remake. Bon. Bon. Les amis. Qu'est-ce que l'on en dit de ce Nintendo Direct ? Le One More Thing, c'est un remake, je suis en pleurs. Coup dur, José. Coup dur, José. N'hésitez pas, les amis, les modérateurs, à nous faire un petit sondage, comme à chaque fois, en mode très bon, bon, moyen, mauvais. Pour voir un petit peu, vous, dans le chat, ce que vous en pensez de ce Nintendo Direct. Bon, moi, je dois admettre que personnellement, voilà, je suis un petit peu sur, en mode, bon, bof, hein, on va retenir, moi, de mon côté, j'ai pris mes notes, je vais retenir, où sont mes notes ? Elles sont là, Mario versus Donkey Kong, forcément, le 16 février, Princess Peach, le 22 mars, et encore Princess Peach, c'est juste parce que c'est vraiment une nouvelle licence, enfin, c'est un nouveau jeu, mais... Bon, c'est pas trop vraiment ce que je retiens. Tomb Raider Remaster le 14 février. Donc, je viens de voir que Mario Donkey Kong et Tomb Raider sortent à deux jours d'intervalle. Ça va être compliqué. Et donc, Luigi's Mansion 2. Et bien sûr, Paper Mario. Hein, Paper Mario qui sortira en 2024 sans plus de précision. Donc, voilà. Effectivement, un gros Nintendo Direct bah, pour ceux qui sont fans de JRPG. Pour les autres, voilà. Le sondage a été fait. Merci Axman. Vous pouvez voter. Dès maintenant, bon, très bon, mi figue, mi raisin ou nul. Toi, Topher, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je reste sur ma faim. Tu restes sur ta faim ? Ah, j'aurais aimé une annonce de Zelda Wind Waker ou Twilight Princess en remaster. Ouais, ouais, c'est. J'ai pensé un petit peu, mais bon. Attends, mais Wind Waker, il est. Non, pardon, oui, je confonds avec Skyward Sword. Ok, d'accord, ok. c'est vrai, moi j'attends tellement le Twilight Princess. Hein. J'aimerais tellement qu'il me le refasse. Donc du coup, avis un peu pareil, mi-figue, mi-raisin ? Bah ouais, vraiment très mitigé. Hein. Bon, après, il y a Tomb Raider, puis il y a le jeu de voiture que j'attendais, oui. Horizon Chase 2. Mais hormis ça, après, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ok, très bien. Pour le moment, on est sur du 82% de mi-figue, mi-raisin. On est sur du 9% de bon et 9% de nul. Voilà, 0% de très bon. Dans le chat, pas ouf pour Sky 2, le grand Lukun qui nous dit moyen. J'ai juste retenu qu'on va pouvoir enfermer Winston dans le frigo pour Nico, et ça c'est une très bonne réponse. On retient que les Mario, ah non, le Tomb Raider aussi, hein. C'était un Mario Direct, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces de... Bah, pas forcément de Mario, mais de l'univers Mario, entre Donkey Kong, les jeux Mario, Mario RPG, Mario Paper, Princess Peach, WarioWare, c'est vrai que voilà. Même pas un Zelda déçu, moyen pour Tomb Raider, quoi. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Toi, Axman, ton ressenti, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très très orienté Japon.
Et ils nous ont foutu un Tomb Raider comme ça pour l'Europe, pour nous dire, regardez, c'est l'Europe, vous allez jouer à Tomb Raider. Mais le reste, ouais, c'était très Mario, très Japon, très JRPG. Pas du tout ma cam. Un peu déçu. Après, y a des gens qui... Ouais, un peu déçu, mais en même temps, j'attendais pas grand chose. Ok. Ok, très bien. Bah écoutez, les amis, je pense que y a pas non plus à tergiverser et je pense qu'il y a pas non plus 12 000 analyses à faire. Hein. Pour finir, dites-nous dans le chat un petit peu les jeux que vous retenez, même si j'ai vu pas mal de Tomb Raider, mais dites-nous hein, autant sur TikTok que sur Twitch, dites-nous un petit peu. Les jeux que vous retenez, votez si vous n'avez pas encore voté, il vous reste encore quelques secondes pour voter sur Twitch, dites-nous un petit peu, mais voilà, trumpet show pour José. Ouais bah écoute, ça peut être pas mal, hein. Le score final c'est à 83% de Mifing Miraisin. Mario Wonder, oh, mais Mario Wonder ils l'ont pas montré, Mario Wonder ils l'ont pas montré, bienvenue Virtas. Ah, Virtas tu arrives à la fin malheureusement, tu arrives à la fin. Mais non, ils n'ont pas montré Mario Wonder, mais Mario Wonder, ça va être une grosse cartouche, je pense. J'ai très hâte. En plus, il sort le jour de mon anniversaire. Il y a pas de hasard, les amis. On attend le live. Non, mais il y aura pas de live sur Trompette Show et sur WarioWare. On attend que Chris nous fasse un live sur Trompette Show. Attention. Non, il y a pas de. Je suis très mauvais trompettiste, les amis, de toute façon. Donc voilà. En tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous d'avoir été présents pour suivre ce Nintendo Direct. On va tout faire pour faire le State of Play de ce soir, mais ça risque d'être lancé vraiment à 22h50, hein. Last time. Mais on va essayer de le faire, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Merci Topher, merci Axman. Encore une fois, si vous regardez en replay, dans la description de la vidéo, il y a les liens pour les suivre. Et donc, on a partagé comment ça s'appelle, leur réseau. N'hésitez pas à aller les voir. Et donc, on se donne rendez-vous donc. Peut-être à ce soir, sachant que le State of Play devrait être rapide. Apparemment, il durerait 27 minutes. Donc, on va essayer quand même d'être là. Et en tout cas, voilà. Merci Quentin pour le follow. Merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Salut. Bonne fin d'après-midi. Tchuss.